Mesdames et messieurs de YouTube, j'arrête la musique pour vous déjà. À la ligne verte, c'est incroyable. Mesdames et messieurs de YouTube, ne regardez pas la ligne verte, sauf si vous voulez pleurer toutes les larmes de votre corps. C'est cool, hein, mais c'est compliqué, quoi. Un plombier qui cherche sa princesse. Je reconnais ça. C'est Ralph. C'est Wreck-It Ralph, le film. Bah, techniquement. Techniquement, c'est Wreck-It Ralph aussi. Donc, YouTube, bonsoir, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la Vallée de Mana, épisode 12-13, je crois. On se retrouve pour beaucoup de révélations dans le jeu. Attention. Générique. Et on se retrouve juste après. Oui, on résume des films très très mal exprès. C'était marrant. En vrai, c'était marrant. Donc, alors Drax, tu as crié liberté. Alors pour moi, ce n'est pas Braveheart. Pour moi, c'est le mec à Nice qui voulait pas porter le masque. Pour moi, c'est complètement autre chose. Un garçon américain qui devient un mec aussi fort qu'un gars de Street Fighter. Alors, Captain America. Moi, j'avais le lancer de frisbee. C'est un vieux qui lance des frisbees, quoi. Alors, on continue un petit peu l'aventure de Xenoblade parce que après les jeux de mots. Super sympa l'intro. Merci beaucoup Mika. Alors c'est Drax qui fait les musiques, point d'exclamation Drax, si vous voulez les musiques et les génériques. Et ça c'est le générique des JRPG. Après il y a le générique de Michel Bizarre Adventure qui arrive. Il y a le générique de dont on est là pour chill, qu'il faudra que je refasse d'ailleurs, parce que bon, mon île a changé quoi pour Animal Crossing. Merci beaucoup Mika, ça fait très plaisir. Ah, c'était Karate Kid! Désolé, c'était pareil, hein. En fait, trop fort. Alors. Vous avez vu, on voit la raie céleste. Des bisous, Kirufi, si tu t'en vas. Un bisou, si tu t'en vas. Mais merci d'être passé. Merci pour. Oh, mon bisou, il est pas passé. What? Oh non. Glutobot, il est cassé. Attends, il marche plus, Gluto. Attends. Attendez, je vais le... Oh, Romanus, regardez comme il a cours. Ah, le planning ne marche plus aussi, donc je suppose qu'il y a un lien, Romanus. Ne vous affolez pas, nous sommes des professionnels, nous allons gérer ce problème de la meilleure façon possible. Nous pouvons également faire des bisous à l'ancienne, quoi. Attendez, pour Kirufi, voilà, un bisou à l'ancienne. Il s'est rendormi ? Ah bon ? Coco ? Ah oui, c'est bon. C'est bon, les bisous fonctionnent. Attention, les révélations. ここが僕の見た場所だ。
La guitare. Yoku-kita-na, monado o tsugishi mono yo. Anata wa... De... Deke... Masaka... Souda. Taiko ni horonda to iwareru kyojin-zoku. Hisso wa... Kore o fujite ita no da yo. Waga na wa Zanza. Ware wa koko de sonata o matte ita. Matte ita da to. Sonata wa hisso ni yotte koko ni fujirareta no dewa nai no ka. Drax, c'est un musicien de renom, évidemment. Il fait tout, quoi. それを振るもののことは手に取るように分かる。このモナドはあなたが。そうだ。鬼神界に降するため神の剣として遥か昔に我が作ったものだ。だけど、なんでこんな残酷な目に。 モナドとは、この世界を構成する断り、根源元素、エーテルを自在に操る剣。断りを操ることで物は断たれ、力は増幅される。そなたも見てきたはずだ、その剣が起こす様々な現象を。我はかつてその剣を振るい、 巨神と共に戦い、鬼神を打ち倒したってのか？こんなちっさい剣で？その姿形は幻影。使う者の意志一つで、モナドの姿はいかようにも変化する。要はそのうちにあるもの、その力。 そしてその強大すぎる力ゆえ、それを恐れた古代のハイエンターによって我は封じられた。バカな始祖たちがそのような理由で。人とは害してそのようなものだ。我がここにこうしているのがその証。学ばれよ、新たなるハイエンターの指導者よ。 モナドは本来巨神が持つべき剣。鬼神に対抗できる唯一の力。使い手の成長とともに、すべての断りを断つ力を秘めている。だが、それですべてが解放されるわけではない。モナドには枷をかけているのだ。枷？ある特定のものは立てなくしてある。 特定のもの。そう、その枷を知っていたからこそ奴らはモナドでも切れぬ鬼神兵顔つきを生み出したのだよ。 どこだ？どこがこの力の中心だ？おいつらは、そうか、もう消えがったってか。抜け目はねえよな。だがよ、見つけたぜ。どんだけ防備を重ねたところでこいつは防ぐまい。なあ、ザンザさんとやらよ。 Beaucoup de choses, hein, qui se passent
Et là, c'est vraiment une grosse cinématique du jeu, ça, c'est très important. Heureux le 10. Faut pas être déçu, Mika. Hein, il fait des dingueries à Drax niveau musique. Moi, je m'en fiche, hein. Que ça soit GarageBand ou un ukulélé, pour moi, c'est tout pareil. そしてモナドを差し出すのだ。我ここに全ての枷を解かん。さすればモナドはあらゆるものを立つ剣となるであろう。立てぬものはただ神のみ。ヨセ、シルク。メリオ、なぜ？ 気にかかるのだ。始祖たちが何故この者をここに封じたのかが。だけど僕たちにはもっと力が必要なんだ。それは君だって同じだろ。そうだが、それはそうなのだが。ちょっと待てよ。こいつはただ枷とやらを解いてくれるだけなんだろう。だったら迷うことはねえって。だがメリア、分かってほしい。 僕にはやらなきゃならないことがある。騎士兵を倒すんだ。 Flashback du début du jeu, hein, pour ceux qui se rappellent pas. Le premier village, première attaque des Mekon. Évidemment, l'ami d'enfance qui s'est fait chlasser. Et c'est pour ça qu'on est parti à la recherche du faciès noir pour le goumer. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de libérer ce géant aux promesses peu probables. Sasageyo. さすがは名手様のやりだぜ。どうやら間に合ったみてえだな。俺たちがここに来ることを知っていたのか。ああ、雑魚が何勘違いしてやがんで。俺たちの目的はそれそこのデグヌボイよ。 モナドに余計なことされちゃ面倒なんでな、やりに来たらお前らがいたってわけよ。なあ、白い顔つき。ザンザ、答えてください。ザンザ、聞こえているはずです。死ねんはか。 この若者たちを生贄としてまた繰り返そうというのですか。我に話しかけてくる。お前は何者だ。そして何を知っている。ザンザ、私はあなたと対話をするためにここに。騎士兵、僕はお前たちを許さない。待ちなさい。 あなた方と戦うつもりは。お前たちはフィオルンを返せ。調子に乗んじゃねえって言ったろうがよ。クズ。シルク。弱い。弱すぎるぜ。
たった一差しです。弱すぎるぜ、お前らはよ。陛下、僕、また。モナドを継ぎし者よ。ザンザ、無事だったのか。頼む、今すぐモナドの風を。我の姿は形骸。 すでに風は解き放たれている。風はそれを振るう者の意志、振るうがよい。そなたの意のままに倒したいと思う相手を念じ力を解き放つのだ。 J'ai plus de batterie. Oh non. Oh le nul. Attendez. Oh non. Ah ça. Faut que je recharge. Bon du coup j'en profite Mika Wickning pour te souhaiter courage. En tout cas voilà, si tu as besoin d'un divertissement pour voilà. C'est l'été trilou ou la clope, voilà, on est là pour divertir, quoi. Voilà, je voulais voir le heal popper ou pas. Mais non, ça, le heal il pop, mais le son pop, mais quand je suis pas là, le visuel n'est pas là, quoi. Tu veux des piles ? C'est bon, mais en fait j'en ai, mais je crois que c'est ma manette qui se décharge. Enfin, les piles sont, vous voyez là d'ailleurs, on voit qu'il reste un petit bout de pile, mais ma manette, je pense qu'elle prend plus la charge, en fait. Enfin, y a un bail, quoi. Alors, attention, on continue. お前たちに食われるだけの存在じゃない。モナドの形が、いけません。その力に身を委ねては。 Et donc, la Monado face... Voilà, les 10 niveaux sont disponibles pour toutes les attaques du jeu. Donc ça y est, gros changement. Let's go.
Il a volé l'ulti de Squall. C'est vrai, hein, Drax, que ça y ressemble, l'ulti de Squall. L'ulti déflagration, je crois. Non ? Oui, déflagration. Des fois, on est un peu bête, mais on est la meilleure. Ah, mais... C'est vous qui êtes bête. C'est pas moi. Pas ce soir, en tout cas. Désolé. Alors, on va pouvoir goumer le facias. Attends, mais je peux le goumer vraiment correct là ? Ah, désolé, Drax. Ah, ça y est, on fait mal. Oh, on fait si mal. Putain, ça fait plaisir. On peut le faire chuter ? On peut pas le faire chuter, je pense. Non, pas du tout. Et là, je vais pouvoir. Normalement, ça fait beaucoup de dégâts, ça, non ? Pas du tout. Voilà ! Exactement ! Mais là, c'est une de mes cinématiques préférées du jeu, parce que vraiment. Ce que j'aime bien avec Shulk et avec Xenoblade en général, c'est que c'est vraiment écrit comme un shonen, tout en ayant la thématique de l'univers des Xeno. Des Xeno tout court, Xenogear, Xenosaga. Une thématique qui est très liée à l'existence et à la place de l'homme et au choix en général. C'est plus ou moins les thématiques qui reviennent généralement dans la série des Xeno. Et c'est très très cool de voir comment ça a été amené ici, parce que bah, c'est plutôt dynamique. On pourra faire Xenogears un jour d'ailleurs si ça vous intéresse. Par contre, il est très long et j'avoue que j'avais un peu lâché l'affaire, donc faudra que je trouve une façon de le rendre intéressant. Mais pourquoi pas, c'est quand même un gros jeu de l'histoire du RPG. Intéressant quoi. En tout cas, Mika, tu es bienvenu quand tu veux. Et d'ailleurs, si t'as Discord, on a Discord aussi. On a un Discord plutôt qualitatif. Tu veux nous rejoindre et si tu as la possibilité, c'est avec plaisir. Demain, je crois qu'on joue à. Ah non, demain, on joue pas à Sea of Thieves. C'est samedi qu'on joue à Sea of Thieves sur le Discord. Et demain, il y en a qui voulaient faire un Goose Goose Duck. Peut-être je serai là. Peut-être pas. Le Coda me transcende. Je comprends. La haine qui est exprimée par Chou. Bon, par contre, attends, on peut lui passer entre les jambes. Bon, je vais perdre l'agression. Des bisous, Linono. Bonne nuit. À demain, puisque demain je stream pas. Ou alors sur Discord. Des bisous. Attends, on peut l'enchaîner Axe là. Attends, je vais lui mettre la dose. Balle soporifique, ça marchera pas, je pense. Est-ce que j'ai droit ? Oui ! Deuxième. Est-ce que j'ai droit ? Non, ça s'arrête là. 14 000 dégâts. Pas mal, en fait. Combien il a de PV d'ailleurs si j'enlève que 114 000 ? Fin du lore que je go dodo. Des bisous, Romanus ! Bonne nuit aussi. C'est l'heure du dodo pour tout le monde là. Ah bon ? En vrai, ça va. Comment ça dès maintenant le dodo là ? Il est quelle heure en France ? 22h19. Oh ! Kozu ! Omoishire ! Kore ga Fiorun ga Heika ga uketa itari da ! Yame nasai ! Na ! Suge ! Izen no mondato to wa chigau ! そうだ、その力だ。存分に力を振るうがよい、シュルクよ。これがあなたの望んだ通りの結果ですか、ザンザ。そうか、お前はそうだったか。予定調和の外にあるもの、気づかぬわけだ。人人間あまさかフィオルン生きていたのか残残 OMG スポイラーあなたはそれでも私は好きにするがよい
目的は果たしました。祈祷します。命拾いしたな、ガンダム。だが次こそとどめ刺させてもらうぜ。フィオル、僕がわからないのか。フィオル、non, c'est vraiment la très très grosse cinématique du jeu. Révélation, Fiora n'est pas morte. Fiora a rejoint le camp ennemi. Et là tu te dis, ok, bah, chelou quoi la meuf. C'est trop trop cool. Hiroyuki Komoru. Mais musique, ah ouais, t'as raison, elle est très très cool cette musique. C'est la musique de l'écran titre qu'on entend très très souvent. Et du coup elle résonne très différemment quand justement c'est une scène d'action. Le fait que la musique soit calme, tu sais, ça renvoie un petit peu une place un peu mélancolique. Et j'adore cette musique. メリア。だって私でなくとも良いのでしょう。ホブスの血が入っているだけでいいのなら。そんなことを気にしておったのか。大バカ者め。だってハイエンターの希望、それはそなた自身が選んでなるものだ。それを忘れなければ資格など後からついてくる。だが忘れるな。要はそなたが希望だから愛したのではない。愛した者に希望となんて欲しかったのだ。Mon je sais pas, je la vois pas dans les personnes connectées, donc peut-être elle est partie. Je suis assez d'accord, ouais. En fait, c'est comme si le thème de Breath of the Wild, le thème de début de l'écran titre, tu l'avais quand tu battais Ganon. C'est le même feeling que ça te procure, c'est un peu la boucle est bouclée, et puis le côté un peu tranquille, mais dans une situation très pesante. メリア、行こう。シュルク、私は公主とか希望とかそんなことは後でゆっくりと考えればいいじゃないか。僕なんかでよければいくらでも力を貸すよ。一人の人間、メリア・エンシェントとして奴らの蹂躙に屈しちゃいけない。そうだが、それが私のなすべきことなら。Pas encore fini, la cinématique. Oh, terrible, il y a beaucoup de choses encore.芝居がうまいね、ザンザ。あ、トゥッペル。すべては世界のため、役者にもなろうさ。代役に立ってあげてもよかったのに。その気持ちだけは受け取っておこう。ふん。嵐は近い。Eh bien, quelle fin de chapitre incroyable! Oh, ce chapitre, il était très très cool. Hein. On a passé les 27 heures de jeu, bientôt les 28.
Je suis assez d'accord avec, oui, avec ce que tu dis. Alors, je connais pas God of War, je connais pas du tout les thèmes, je suis pas du côté PlayStation pour l'instant. Par contre, avec FF15, je vois exactement ce que tu veux dire. J'ai adoré FF15, même si c'est un jeu très accidenté, il a quand même son charme. Quoi. Donc Melia, en gros, elle est devenue héritière puisque son père s'est fait chlasser par le faciès noir. Mais du coup, c'est son frère qui va assurer la régence en attendant parce qu'elle va aller péter la gueule au faciès noir et le temps de résoudre tous les problèmes pour que son peuple soit à l'abri. Alors elle, c'était Vla la traîtresse, mais du coup, ça va mieux maintenant. OK. Table ronde, évidemment. Référence à Camelot. Riki qui a pas senti que du monde était mort, quoi. Ah, qui s'identifie à Riki? Riki triste car Riki a faim. Moi j'ai faim, hein. Ah bah oui, évidemment. Je suis Riki, hashtag je suis Riki. Ça me fait penser, j'ai regardé les publications Facebook de mon ancienne boîte, d'une de mes anciennes boîtes. En fait, je suis tombé sur un truc où j'ai été identifié. Du coup, j'étais mort de rire de voir qu'ils étaient trop contents d'avoir fait un hashtag je suis Nice quand il y a eu l'espèce d'attentat. Je sais pas si c'était qualifié d'attentat, mais quand il y a eu évidemment les personnes qui ont été tuées à Nice. Ils étaient trop contents d'avoir fait le logo de leur marque en bleu, blanc, rouge, je suis Nice. Et pourquoi le logo de leur marque? Oh mais vraiment, oh, je les détestais ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils étaient cons. Le hashtag je suis Riki m'a fait penser à ça. Riki aime la salade de thon en boîte. Ah je sais pas. En tout cas, Hikikomori, je sais que toi, tu t'identifies à une salade de thon en boîte, quoi. Ah, quand c'est en sépia comme ça, c'est évidemment un flashback, hein. Oh, la cinématique est costaud, hein, là. Elle est importante, mais costaud, quoi. Riki, bonsoir Clara, comment ça va? On est en pleine grosse cinématique. Ouais, ça va tranquillement. On suit cette histoire incroyable de Xenoblade. Je sais pas si tu connais, parce que je sais que tu connais plus Animal Crossing, hein, tu nous avais follow sur Animal Crossing, mais tu connais pas Xenoblade en tout cas. C'est une histoire très très cool. Cinématique incroyable. Donc ça y est, on a la V2 de l'arme d'ailleurs. Pour optimiser les personnages d'ailleurs, aussi. Alors, compétences, ah non, art, on va pouvoir améliorer, donc du coup tous les arts de Monado sont débloqués jusqu'au dernier niveau, mais on ne nous intéresse pas tout de suite, on va aller récupérer nos coéquipiers, partir à l'aventure. Ah, on peut pas se TP, faut aller là. Mm-hmm.
Et la BO de Xenoblade, j'adore. J'aime moins celle du 2. Celle du X, elle est catastrophique. Pour moi, c'est un des plus mauvais points du jeu avec le chara-design. Mais celle de Xenoblade Chronicle, qu'est-ce qu'elle est bien. Et j'espère que Xenoblade Chronicle 3 ira dans ce sens. Pour rappel, il sort le 29 juillet, je crois. Donc, il sera streamé, évidemment, ici, dès que possible. Il a été précommandé, en tout cas, en téléchargement, malheureusement. Je ne pourrais pas avoir la version en boîte. Parce que sinon, on va mettre des plombes à l'avoir. Mais ça sera streamé, l'aventure au complet, ici. Et j'en suis très heureux. Bon, c'est vrai, ça, c'est une très bonne question que vous n'avez pas posée encore. Mais puisque on a l'habitude de parler de bouffe, qu'est-ce qu'on mange ce soir, quoi ? Vous avez bien raison, quoi. Avec quoi on se régale ? J'ai pas la patience pour ce type de jeu, je comprends. Mais Clara, c'était toi qui disais que t'avais pas forcément Animal Crossing, mais que t'aimais bien regarder des lives d'Animal Crossing. Donc je comprends aussi le côté, il y a quelqu'un qui joue, c'est plus pratique. Clara, si tu es là vendredi, Elden Ring, c'est peut-être pas ton type de jeu, mais tu vas te régaler puisque je vais mourir en boucle. Et peut-être rager. Des pâtes au bleu. Oh ! Bon alors, Hikikomoru, tu connais le prix du fromage au Canada ? Tu peux pas me dire une poutine ? En vrai, j'ai pas faim, je fais que manger en ce moment. J'aime bien manger. Ah, ça va, bah tu me diras. Ça sera la fin du jeu, donc c'est vraiment le boss de fin qui m'a posé tant de problèmes la dernière fois. Et puis après, on essaiera de faire les boss secrets d'Elden Ring. Encore plus dur que le boss de fin. Le bleu, c'est une arme bactériologique. Non, mais. Tout est une arme bactériologique ici. Oh, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai toujours pensé que si Fiora devait être en couple... Oh là là, oh ça y est. Quoi ? Et pourquoi moi, merde, j'ai rien fait. Oh là 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 là. Ah d'accord. C'est un brave garçon, mais bon... Il me rappelle moi à son âge. Bougueux et impulsif, avec le manus, j'avoue. Ah mais maintenant que tu auras c'est un robot, enfin je suis désolé hein mais je risque de me couper quoi. D'ailleurs si vous n'avez pas vu je ne spoil pas mais My Movie Project. Oh, très bon résumé, Aveugleman, bravo Drax, oui effectivement Hikikomoru, tu l'as trouvé. Aveugleman. Oh, vous voulez un résumé de film, j'en ai un. Oh là là. C'est un riche de droite qui tape des sans-abri. C'est trop bien My Movie Project Hikikomoru, je suis désolé. Un riche de droite qui tape des sans-abri pour le plaisir. C'est Batman. Parce que bon, il pourrait mettre son argent pour financer des associations, créer des logements sociaux, ouvrir des écoles. Mais non, à la place, il décide d'investir ça dans une armure plutôt que chez un psy. Et de péter la gueule à des sans-abri précaires. Ah, Hikikomoru vous tease My Movie Project. Si vous voulez voir Hugh Jackman avec des couilles au menton, vous pouvez dorénavant taper sur Google My Movie Project, qui s'appelle... Alors attends, parce qu'il s'appelle pas partout My Movie Project, et je le trouve aussi sous un autre nom. My Movie Project... Movie 43 aussi, ça s'appelle Movie 43, avec Hugh Jackman, Emma Stone, Richard Gere, ou Gere, je sais même pas comment on dit, Kate Winslet, vous avez aimé Stranger Things, Halle Berry, Chloé Grace Moretz, Justin Long,
Ah oui, Yves Schieber aussi. Chris Pratt. Naomi Watts. Plus je regarde le casting, plus ça a pas de sens, quoi. Terrence Howard. Terrence Howard ? Il est... Ah oui, ok, si, je vois, oui. Et en fait, c'est un film qui a été fait entre plein de tournages. En gros, c'est un réalisateur qui disait « Bon, vous avez 10 minutes pour tourner dans mon film ?» Et du coup, il fait faire des trucs what the fuck à Hugh Jackman et tout ça. Et en fait, c'est un film qui se passait entre plusieurs films. Voilà, c'était entre des pauses plateaux. Et c'est plusieurs petits courts-métrages, mais qui sont incroyables, vraiment. Ce film... Je dis pas non plus, c'est le film du siècle, hein, faut pas survendre les trucs. Mais qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Oh, on a perdu des boosts à la remise. On en a 12 sur 14. Bon, c'est pas grave, on a encore le niveau 2. C'est le plus intéressant. Compétences. Non, attends. Hireux, petit pelle. Ah, on va... Oh! On va pouvoir lui mettre des trucs bien, non? Ok, on lui met, je sais pas. Non, ah, bravo! Non! Atta! Non, c'est nul. Et le haut blasonné, y'a pas mieux? Et là, esthétiquement, on peut lui mettre une coiffe digne de son rang. Standard, c'est quoi? Oh, standard, c'est sympa. Style de Macna. Oh, c'est... Oh! Ah, mais attends, on dirait une mythe. Oh, j'aime bien celui-là. Style Légard. Attends, on va voir s'il y a mieux. Elle en a tant des styles? Non, là, on dirait un Dilophosaure. Non. Cérémonial. Ah, ça, c'est celle qu'il avait, avait dans l'île de prison. Dans le machin, quoi. Des lunettes. Ah, on peut lui mettre des lunettes. Style titanesque. Non, je crois que j'aime bien celui que j'ai mis. Ouais, c'est un peu trop, non. Colonial Tintin au Congo. Comment ça? C'est raciste, Tintin au Congo? Comment ça, Tintin, c'est raciste? Celui-là, je l'aime bien, mais bon... C'est pas Jardiland, quoi, ici. Et après, évidemment... On peut lui découvrir les bras, c'est sympa. Ouais, je sais pas. Littoral, évidemment. Les Chuchaler. Puisque c'est un JRPG. Non, je crois que j'aime bien celui-là, en vrai. Ou terrible. Mais l'armure, visiblement, voilà, on protège l'écho à l'épaule. Mais voilà, il faut quand même... Et parce qu'on peut... on peut se battre tout en ayant l'air sexy, hein, c'est très très important. Sachez que votre survie en temps de guerre, bon, ça vaut pas le style, quoi. Elle est sympa, celle-là aussi. En termes de couleur, elle va bien avec ce que j'ai déjà. Bon, allez, y'a rien de chercher pendant 2 heures. On doit aller où? Secours. On doit aller là-bas. Le petit style Tintin au Congo, évidemment. Hop. On va prendre l'ascenseur. Je crois qu'en fait on nous donne la suite de l'aventure parce que on retourne pas en arrière, je crois. En vrai, d'ailleurs, on s'est mangé une grosse cinématique. Est-ce qu'on continue l'histoire? Je pense que oui, on va l'avancer un maximum. Voilà. Et un petit peu les cinématiques. Pardonnez notre orgueil. Quoi?
les bails. アンノンとしていた。いや、しすぎていた。騎士兵の信仰を下界の差事として座視していたのは誤りであったのだ。カリアン殿下、それじゃあ、ええ、これからは我らも共に騎士界に立ち向かっていこうと思う。兄上。そしてお願いがあるのだ。ホムス、ノポン、 ハイエンターが手を取り合って旅している君たちの姿こそ、巨神界連合軍のあるべき姿、連合軍編成への準備として、ホムスやノポンとの橋渡しを頼みたい。どうしました、シルク殿？あの、少し考えさせてもらえませんか？ Et coucou Xan, comment ça va? シルク殿は我らに力は貸せぬとお考えなのだろうか。兄上、そうではないのです。メリア、シルクにはやらねばならないことがあるのです。 Ça va, on regarde la télé. M6. シルク、 らしくないよ。ごめん。別に責めてるわけじゃないって。フィオルンのことだろ。考えたいことって。うん。だよな。ハイエンターがホムスやノコンと手を取り合うのはお前も願ってたことだもんな。だけど僕は。エレブー。Vous m'avez manqué。 メリア、私は陛下の父上の愛を信じられなかった。やっと気づいたのは父上が死ぬ間際だった。大切なものの価値、失ってから気づくのでは遅すぎる。そうであろう。ありがとう、メリア。僕決めたよ。僕は フィオルンを取り戻しに行く。だがいいのか、俺が一人で探しに行った方がみんなに迷惑かけるわけにはいかん。僕は僕自身がフィオルンを取り戻したいんです。シュル君、連合軍の方は任せておけよ俺に。Ah oui, c'est l'ambassadeur, lui, c'est sûr. やってみる。俺にできるだけのことは。 La musique. それは私の役目だ。 私はハイエンターとホムスの根血だ。皇太子であり、根血児である自分なら、きっと連合軍をまとめられる。メリア、それじゃあ。ああ、私はこの皇都に残り、お別れだな。あなた、それでいいの？もちろんだ。だが、その幼馴染を取り戻したら、すぐにまた戻ってきてくれ。待っているぞ。ありがとう。 Meria. やっぱりカリアン殿下にちゃんと話してきた方が良かったんじゃ。兄上なら分かってくれる。 C'était là pour le cinématique avec Zanza ou pas, Angel? Avec le géant qui nous a donné la deuxième forme de la Monado. Est-ce que tu étais là? En gros, c'est ça, sur l'île prison, il y avait un géant. C'était en fait celui qui a forgé la Monado. Nous l'avons libéré. Il nous a libéré le deuxième stade de la Monado. Il nous a permis de goumer un des fascias, le fascias noir. Le fascias argenté s'est interposé et il s'avère que le fascias argenté était en fait Fiora, la meuf, l'héroïne, le love interest de Shulk au début du jeu. Et donc du coup, en fait, elle n'est pas morte et elle a rallié la faction ennemie. Donc du coup, là, on se pose des questions, quoi.
私は仲間として当然の。でもね。Ah oui, l'empereur est mort. Mais bon, ça, il était vieux quoi déjà. ご出立ですから、皆さん。これは。ご挨拶もなしに出て行こうとして、すみません。でも僕たち、行かなきゃならないところがあるんです。なるほど。ですが、置き去りにされる我が妹は、少々寂しそうで不憫ですな。私は皇太子としての義務を。メリアがもう一人？Wow. Melia, ちゃんと匂いが。Grâce à cet habile déguisement, Melia peut partir avec nous. 妹にはもう少し巨神界のことを勉強してきてもらわねばなりません。その間、皇太子としての公式行事をこなすため、このようなものを用意しました。兄上。皇太子殿下。進化として部をわきまえぬ比例でありながらお願いしたき儀がございます。うん、申してみよう。シルク殿と共にコートを襲撃した鬼神兵の追撃をお願いしたく存じます。カリアン殿下。シルク殿、事情はすべて伺っております。今はお心のままに行動されてください。いつかまた。Ça raconte des choses, hein, là. C'est gros cinématique, hein. Denka. Arigato gozaimasu. Iki da ne, ano ouji-sama. Honto, are de mou sukoshi takumashikattara ne. Takumashikattara nanda yo. So. Yokatta ne.白銀の鬼神兵は大剣の警告の先に築かれた奴らの拠点ガラハド要塞方面飛び去ったとの報告が入っています。厳しい道中となるでしょうが、妹よろしくお願いします。わかりました。必ず無事にお連れします。摂政よ、そなたからの婚誓心得た。シュルク殿と共に必ず果たして参ろう。強烈にございます。僕も行こう。アルビス、君がガラハド要塞に向かうには巨神の右腕バラク雪山を抜けなければならない。あそこは雪深い山脈だ。初めての人には越えるのはままならないだろうから。そうか、予言官殿は。よし、そうと決まったらすぐ立とう。連合軍のことはお任せください。今まで手を取り合うのに壁と。ビゾミカ。我らの傲慢。Très joli prénom, hein, évidemment. できるだけ早く。Ici, aucun rapport avec moi, mais très joli prénom. Plein de bisous, bonne nuit. Prends soin de toi. それでは。À quand tu veux. 勇ましき者たちの旅立ち。On stream vendredi si tu es là. 我らの敬意を。なんだよ。来た時とはえらく違う態度だな。そういうこと言わないの。行ってきます。カリアンさん。Bon, et puisque cette cinématique a été suffisamment longue, je vous propose. Sur complexe. Eh ben écoute, on peut être adorable et avoir des problèmes de gaz. Oh non, on l'a déjà eu celui-là. Non, on a déjà eu les problèmes de gaz. J'en relance un autre. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Donc, on se met des doigts entre amis. On se met des doigts dans la commu. Bon, alors, les doigts dans la commu, on l'a déjà eu. Attendez. Allez, le dernier.
Je ne redécore pas souvent l'intérieur de mes amis, hein, mais des fois ça arrive, quoi. Ça vous l'a tous déjà fait, quoi. C'était Jacques P, la dernière personne que j'ai... Enfin, voilà. parce qu'il m'avait demandé, mais c'était pour le canapé. Alors, attends, lui, est-ce qu'il peut nous donner des trucs intéressants ? Vendre. Ah non, putain. Il y a deux boutons, je me trompe. Bravo. Ah ! Zeris, des trucs bien. J'ai beaucoup d'argent. Ok, on en a un de chaque. Merci de votre visite, des bisous. Art, du coup. Ouais. Énorme. Et oui, du coup, on a du monde, ça y est. Bon, on a tout le monde. En tout cas, c'est tous ceux qu'on a déjà rencontrés. Ils sont par là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent à Risk of Rain 2 ? J'ai relancé le jeu hier. J'ai eu genre 100 heures et quelques... Je crois que j'ai 500 heures par contre sur le premier. Mais Ah bon, bah oui, c'est vrai. Si vous voulez refaire partie des... Bah, on peut y jouer à l'occasion, ouais, demain. J'ai envie de rejouer. En fait, j'ai envie de découvrir le contenu parce que j'ai acheté le DLC et le moment où je l'ai acheté, je n'y ai plus jamais joué. Parce que bah, j'étais en train de streamer, donc c'est pas le jeu que je stream. Angel, je pense pas que ça soit ton type de jeu. C'est très très nerveux, action, illisible. Ça demande un PC assez gourmand aussi, donc c'est peut-être plusieurs choses que tu n'as pas envie et pas de possibilité d'avoir. Ah, comment va-t-on s'y rendre ? Le long du bras. C'est un dark. Maintenant je dois y aller, des bisous Redox, en tout cas merci beaucoup, bah déjà parce que c'est adorable, et puis, j'espère que d'une oreille, si on dit des trucs qui te font marrer, c'est cool quoi. Heureux Irel, quel jeu Putain, j'ai plus du tout. Risk of Rain 2. Ouais non, globalement Angel, en fait si je stream Risk of Rain, mon PC risque de s'arrêter si on est trop fort. C'est le jeu en fait... Tu arrêtes parce que ça, t'as trop de bugs dans la partie tellement ça rajoute de choses. Plus tu avances, plus ça rajoute des choses. Merci Redox, en tout cas le sang de la veine. Toujours un plaisir. C'est trop plaisir. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer par là. On a une petite navette. Je repars en 6 meilleurs que d'essai. À cause de la chaleur, Zirel, putain, c'est terrible. Des bisous. Courage. Ah, alors. Ok. Normal qu'il n'y ait pas le son du jeu. Chut. Ouais, tout à fait, ouais. C'était normal, ouais. C'était tout à fait normal, ouais. Ah, c'est la jungle de Makna. On est revenu à une autre zone qu'on avait déjà visitée. D'accord. C'est faux, c'est entièrement faux. Ça y est, les mobs ils sont niveau 40. Christina Orgula. Ça là. Sans alors. Ah, il y a un objet rouge. Ça, c'est un objet de quête. C'est-à-dire que c'est un objet dont nous avons un besoin important. Document 1. Mais non. On a une heure de VOD déjà ? Ah bon ? Merci le sang. Bon alors du coup la VOD sera peut-être un peu plus courte parce que le temps qu'on... Après on se met en just chatting tranquille. Ah oui d'accord, donc la neige, la zone de neige et la zone...
Alors, dans Minecraft, la transition avec la neige se fait quand même plus proprement. C'est-à-dire que là, c'est la jungle, biome chaud. Là, c'est la glace. Oh les gars, ça se voit là quand même. Ça va se voir là. Merci pour ce petit rappel en tout cas. Ah, cinématique importante. Zanza wa are de horonda wake dewa nai. Kono mama dewa mata higeki wa kurikaesareru. Meina sama. Sore dewa. Osoraku Egiru mo kono koto ni kizuite iru deshou. Shikashi, naze Monado wo kaifou shita no ka? それはザンザにとってもモロハの剣になりうるはず。そしてなぜあのホムスの少年を選んだのか。なぜあの少年のことを考えると胸が痛む。メイナス様。え、ウェイメフ。バネア、早々の修繕。感謝します。いえ。もう一度、あの少年に、モナドを持つ者に会ってみようと思います。モナドを持つ者に？ですがそれは。エギルは、私の復活のことは、まだ気づいてはおりません。それが、メーナス様の望みでもありましたので。では、私に任せてください。私はあの少年に会います。いいえ、そうせずともモナドが引き合わせてくれるでしょう。あいつ好き勝手してくれるじゃねえか。それにようやく思い出したぜ。どこかで見たような娘だと思っていたが、ダンバンの妹じゃねえか。Bon alors, du coup, vraisemblablement, elle a oublié qui elle était avant, quoi. C'est dans cette cinématique qu'on l'apprend, oui, effectivement, elle a l'air d'avoir oublié, même si elle a des espèces de réminiscences de sa vie passée, de pourquoi j'ai envie de pécho le gars, quoi. Pourquoi le petit blond il me plaît ? こんな寒いの俺初めてだ。無理もない。ホームスの住む仮想じゃこんな。Alors, trouver de la neige sur Bionis. Et qui déteste froid. Bravo. マクナも暖かかっ。ここを降りれば体験の警告なんだね。ああ。でもその前に君に見せ。Voilà, montre-moi ta chose. そう、君に。ほら。見えるかい？あそこにそびえ立つ塔のようなものが。あ、いや、で、ルイン、オッケー。最果ての木より高そうだもん。まずはあそこを目指そう。話はそれからだよ。Très bien。Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux ? Alors ? Des quêtes ? Des trucs à acheter. Ok. Ok, ça c'est bien. Mais attends, faut que j'en achète pour tout le monde de ça. J'en achète 3. J'ai plus d'argent. Voilà, fin des dépenses. Changer d'équipement pour... Oh, j'ai la Monado 2. Et du coup, let's go. Tenue rustique. Le haut de bagnard. Le haut de bagnard. Le haut de bagnard. Alors ça, c'est ma dream team. Hein, donc, on va faire un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps, qui est important dans le jeu. C'est retourner à la colonie 9 au stand aux gemmes pour crafter des dingueries.
genre des PV+, des forces plus et tout ça, et du coup pour avoir un équipement qui tient la route, parce que là quand même j'ai pas trop optimisé quoi. Alors voilà, on a les niveaux 3. Qu'est-ce qu'on a? Plus de tension, foudre, éther. Attends, on n'a pas grand chose finalement. On a un force plus, on a un PV+. Attends, on peut le fusionner avec un autre PV+. Un autre PV+. Ouais, c'est pas ouf. Est-ce que je vais le louper? 66%, il y a peu de chances que ça marche, mais bon. C'est là pour tenter la chose. Il faut que ça monte à 100% en fait. Ah, ça marchera pas. Oh. Non. Oh oui, ça a passé. Ah non, c'était... Ah si. Pardon, j'ai crié de beaucoup de façons. Ok, le PV+, il est passé à 100%. Pile, il est passé. Ok, je suis plutôt content. Agilité. On met des éthers plus. Oh. Ça va faire des bons trucs, je pense. Bon, là, ça fait du bruit, hein. Ils sont toujours contents. Ah, l'éther plus, il passe en qualité supérieure. Ça, c'est cool. Le flux de tension, il est pas passé en qualité supérieure. C'est dommage. Au-dessus, en fait, il passe niveau 3. Enfin, il passe au rang d'au-dessus quand on passe les 200%. Donc du coup on a des runes qui sont bien plus fortes. D'ailleurs, non j'allais dire là, il y a peut-être des dingueries à faire, mais... Oh... Anti-lenteur, non, il n'y a rien. Défense terrain, riposte, éther, je pourrais en faire encore une d'éther, je pense. Bon allez. Il a faut spammer le bouton, je crois. C'est vrai qu'il m'avait expliqué, mais j'ai pas compris. Ah non, c'est Romanus qui m'avait expliqué. Enfin, voilà quoi. Merci Romanus pour l'explication. complètement oublié. C'est pas parce que je lis pas, hein. Alors. Double attaque. Oh, attends, il y a moyen d'avoir double attaque. Ok. Ok. On va se concentrer sur le même truc. Confirmé. Voilà. J'aimerais bien voir le attaque plus tant qu'à faire. Mais là il est à 30%, ça marchera pas toi. Ça fait des bruits, j'ai aucune idée de ce que ça fait. Hein. Il y a des chiffres. Bravo. J'aimerais bien reprendre le attaque. Ah mais je peux prendre les deux. Mais voilà. Et là... Ça m'a donné de l'XP. Ah, ça m'a donné un peu d'XP. Changer d'équipement. Là, du coup, pour Monado, je vais pouvoir... gemme d'armes. Qu'est-ce que je veux? Double attaque. Ouais. Le taux d'activation de 10%. Je sais pas. Re-Roxy! Encore double attaque? Attends, et si je mets double attaque plein de fois? Et... Bah ça c'est... Attends. Ici The Banger. Et là je mets... 15% de PV. Parce que je trouve qu'il en a pas. Toi t'as droit à... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Rappelle-moi comment s'appelle le jeu que tu vas faire après Elden Ring. C'est Fable. Le Fable, jeu de Lionhead Studio qui était sorti sur la première Xbox. La première Xbox c'était 2001, je crois. Et Fable, c'est un jeu à choix multiples. C'est très très cool. Et toi, tu vas voir les terres à fond là. Un boulot que j'aime. Oh, jeu de mots. On aime, on apprécie ici. Attends, mais j'ai des quêtes, mais ça doit me rapporter 1 XP, non? Et je fais ces quêtes-là. Oh, merde, j'ai pas vu.
Ah, tu voulais voir à quoi ça ressemblait. Replay Tetris, la vidéo sera 2h vers minuit. Des bisous, petit Pelle. Bonne nuit. Des bisous, Momol aussi. Double bisous, mais des bisous différents. Voilà. J'ai plusieurs cordes à mon arc en termes d'émotes. Plein de bisous, courage pour la chaleur. On se retrouve après-demain. Ah d'accord, il faut que je réfléchisse. On se retrouve, je pense, après-demain. Je suis pas sûr. Après-demain, on se retrouve. Mais du coup, là, le fond vert, là, un peu défoncé. Faudra que je le change. Alors. Tac. Qu'est-ce que je voulais faire? Pourquoi j'ai ouvert Twitch à côté? Je sais pas pourquoi. Et des bisous à demain sur le Discord et après-demain pour Elden Ring. La fin d'Elden Ring. Action, un fond vert, c'est 18 euros. Non, mais j'en ai un de fond vert. J'ai un fond vert là derrière. J'ai un fond vert à 18 euros, mais avec un zéro en plus derrière. Donc techniquement. Et c'est un fond vert rétractable, c'est très très cool. C'est pour ça que j'ai payé plus cher pour pouvoir justement. Comme c'est une pièce à vivre là où je suis. Ah non! C'est un fond vert de très très bonne qualité. Pour le coup, il est très très cool. Je pourrais pas partir avec si je pars de Montréal parce qu'il est bien trop lourd, mais. Non, il est très très bien. Regarde le fond vert et le gâteau si jamais. Attends, lui c'est les quêtes de monstres je crois à buter. Il y a toujours quelqu'un dans la zone qui a des quêtes de monstres à buter et qui t'en donne plusieurs, donc on va les prendre. Bonne nuit Momol. À demain. Ok, j'ai tout pris. Qu'est-ce qu'elle est jolie la zone. Alors là on peut... Attends, il faut descendre ou pas? Oui, il faut descendre. Donc moi ça veut dire que je veux monter. Ça va Angela. Ah tu... Bon alors, après c'est vieux hein, comme jeu mais c'est tout à fait jouable et c'est très très cool, tu verras. Puis bon c'est la demande de Milenas quoi, on a pas le choix. Bisous Ikikomoru, bonne nuit. Merci d'être passé. Il nous faut des forces avant de percer. De quoi percer? C'est demain. Demain t'as un examen de perçage. Bah courage. Je ne savais pas. Oh bah cool, trop bien. Bravo. La percée. Bon alors attends, putain, je veux pas rester 3 heures par terre par contre. Oh mais putain, mais j'ai mon pote, j'ai le vieux gars, je veux pas lui. Je veux dire que c'est moi le healer techniquement. Attends, j'en ai agressé qu'un de potes. Bisous. Merde, je suis en état de frisson. Je me suis enlevé la moitié de ma life, mais bon, c'est pour la bonne cause. Pour le démon tax. Bon bah j'ai rien dit. On s'est fait les montax. Bon bah j'avais pas la bonne équipe. C'est aussi ça le plus important. Bon. Puisque vous y tenez, le compteur de mort passe à 34. Deux morts seulement, finalement. Pendant ce stream. Qui est correct. Changer de groupe. Je suis désolé mais... Charla le sang de la veine quoi. C'est-à-dire que c'est le healer. Il y a le healer, le tank, le DPS. J'ai aucune envie de d'avoir deux DPS en fait et pas de heal. Ça paraît une mauvaise idée. Bon, je vais descendre directement, écoutez. Hop. Mettre deux. Me moucher aussi. C'est moi. Alors attends, je suis dans le bon sens là. L'avantage de la marche automatique, c'est que je suis libre de mes mains. Oh. Je vois les ennemis, ils sont au-dessus, c'est con, j'ai des quêtes à faire avec eux. Ah c'est vrai qu'il y a les petites bouboules à ramasser.
niveau 96. Eh bien, tu sais quoi, reste bien là où tu es. C'est pour le New Game Plus, hein, les bestioles comme ça. Intéressant. Je crois que tu conserves tes niveaux pour le New Game Plus. Bon, ça, on va prendre. Plutôt devant. L'inverse des cristaux derrière, si vous l'avez, bravo. C'est pas là qu'il faut aller ? Ah, faut monter là. J'avais pas vu, il y avait une petite ouverture. Est-ce que si je dis ouverture facile, ça parle à quelqu'un ici ? Juste sans aucun contexte, ouverture facile. Ok, c'est une route secrète. Attends, c'est pas là qu'il faut aller ? Bizarre ça. Drax, évidemment, tu es. On est de la bonne époque pour connaître ça. C'est du mensonge. Oh là là ! Oh, ça parle mal ! Vous connaissez du coup le principe ? C'était sympa, c'était un peu un escape game qu'on faisait au collège, quoi. J'ai failli tomber et mourir. Bien ouverture facile. Je vais pas arriver très loin, par contre. Ouille. C'est un peu violent visuellement, là, si. Et lui, on va l'éviter. Ouais, il faudrait que j'y... En fait, je vais XP hors stream, c'est surtout ça qui va se passer. Comme ça, on va tous les démontax. Une courgette fille, on a eu. C'est pas vrai. Une courgette genrée. Est-ce que vous aussi, vous aimez la courgette genrée ? Putain, t'aimes à la taille des fourmis, quoi. Ah oui, c'est là qu'on doit aller. La plaine de Bagnar. Enfin, plaine. Pas la même définition d'une plaine, mais bon. Il agresse à vue, lui. Ah putain, il agresse quand il voit et ça m'emmerde. Attends, il va se retourner. Ok. Et, attends, c'est par là ? Il y a une grotte, là. Attends, mais moi, je vais aller à la grotte. C'est important. Il y en a encore un. Attends, mais là, je vais aller là-dedans. Il n'y a que des fourmis là-dedans, c'est sûr. C'est un piège. Chiro des montagnes. Le voyage de Chiro des montagnes. Ok, bon, bah, j'en ai eu qu'un. Un écureuil cracra. Le nom des trucs quand même est très chelou, quoi. Niveau 40. La zone est très très hostile, hein. On est sur une vertèbre de Bionis. Ah, et on arrive à un camp. On va glisser là. Oh là là! J'ai pas compris. Le jeu a pas kiffé, j'ai l'impression. Le jeu était codé pour faire ça, mais à la fois il a pas trop été codé pour faire ça, quoi. Et on est où là? Alors attends, du coup on continue où? Au secours. Ok. Camp de nos ponts. Regardez comme il est beau. Attends,
Attends, lui, il va me donner des quêtes aussi, on va les prendre. Ah, lui, il veut buter des fourmix. On en a vu plein. Est-ce qu'il donne une autre quête? Non, il en donne qu'une. Oui, oui. Le marchand. Ah. Il donne fait dodo et à l'attaque pour Riki. Attends, lui, attends, il y en avait un qui pouvait trade. Voilà. Bonus d'échange, c'est important d'échanger. Défense frisson. Ouah, j'ai pas assez de trucs pour échanger. On est pas loin là ? Ouais. Allez. On s'arrêtera là, je pense, comme ça, au niveau du jeu. Après, on passera en just chatting. Hop. Moi, j'ai pas regardé dans les objets, dans mon encyclopédie. Pas de ligne encore. Ça commence à être plus gros les trucs à compléter d'ailleurs. Rien que je peux compléter d'ailleurs dans les autres zones. Non. Ça donne des bonus très intéressants, c'est pour ça que ça vaut le coup quand même de compléter chaque zone. Même si c'est un truc que je ferais hors stream si je voulais, mais là en stream je vais pas m'amuser à chercher toutes les merdes par terre. C'est un peu chiant pour vous sinon. Oh, y a pas mal de. Ok, y a pas mal d'ennemis. On peut se lancer un petit combat ici, je pense que ça vaudra le coup niveau XP. Merde, je vais faire tomber mais ça a pas marché. Ah, on est niveau 42 quand même, 41-42. C'est cool, on n'est pas non plus under level de fou quoi. Un peu déséquilibré. On peut le faire chuter? Non. Ah. Au secours! Je peux pas bouger quand c'est ça, c'est horrible. Bientôt mort. Ah! Oh, y'en a juste 3 à battre! Putain, c'est easy! Ok, j'en ai 2 sur 3 et il y en a un autre juste là-bas comme ça, c'est une quête filtrant. Ah. Des visions de quête du futur. C'est plutôt malin comme mécanique d'avoir intégré les visions aussi dans les quêtes. Je veux dire, c'est une future quête à trouver. J'interromps un peu l'action mais c'est sympa quand même. On va faire comme ça. Ah merde! Ah non, c'est bon. Déséquilibré par là. Une toux chutée par là. Une toux hébétée. Non! Heureusement qu'il y a deux confirmations là. Comme ça, on peut bourrax. C'est un record. 22 000 de dégâts, c'est un record. Du coup, quête terminée. Bon voilà, moi elle était pas très longue, 28 000 XP. Plus ou moins gratos quand même. Tous mes potes à ce niveau 42. Bravo. Nice. Alors, let's go. On va aller jusqu'au point d'intérêt, puis je pense à. On aura fait quand même une cinématique qui est essentielle au jeu, qui est une des plus importantes, mais qui est quand même tellement costaud que bon, j'avoue que on va juste farmer et pas se mettre. Et pas se mettre non plus d'autres cinématiques encore. No, jeez.
Attends, est-ce qu'il peut nous envoyer en l'air? Il y a certaines fois les geysers, le geyser dans la gorge de Mekonis, de Bionis, il pouvait t'envoyer en l'air, donc peut-être qu'il là il le fait aussi. Ça fait les bulles? Ah, ça vibre. Ça vibre. Oui. Et on va où? Ah merde! Bon là, vite! Ah, et lui aussi, du coup. Ah, il vibre aussi, mais merde! Attends, il y a un truc là à prendre. La courgette fille. Attends, mais. Par contre, si ça ne. Ça va Vibrax? C'est un Vibrax Noël, ça. Pas du tout dans le bon sens, du coup c'est là qu'il fallait aller, mais bon, j'étais appâté par le geyser quoi. Et si les bons mots ici, évidemment. Je suis jamais allé là. Hein. Mais on est d'accord, ça ne... Putain! Ah non, c'est pas le bon. Ok, c'est juste derrière. Là, je suppose... Oh non, il s'est fait fumer! Bon, qu'est-ce qu'on lui donne hein? Un bon plat chaud. Ouais, bah on verra quoi. On viendra à la fin du jeu, c'était pas mort. Hein. Pas du tout si je vais dans le bon sens. Niveau 43. Lui, je pourrais... Pff, il est tout seul. D'accord, ok, alors attends, je me suis fait berner quoi. On va suivre comme ça en fait. Voilà. Ça, c'est du génie. Plutôt que de suivre de façon traditionnelle de marcher, ben, on va se mettre la carte devant. Des fois, je fais ça avec mon GPS quand je suis dans la rue. Je ne regarde pas la rue, je regarde juste mon GPS. Il faut absolument pas faire ça, évidemment. Il faut sauter? Il faut pas sauter, non? Pas sûr d'être au bon endroit. Hein. Il faut sauter. Attends, est-ce que j'en... Ah, mais oui, c'est ça qu'il faut aller. Il faut aller à la... putain. Vous en... battrez la VOD. Parce que je trouve c'est un plaisir à suivre. Ah, non! Ah oui, tu sais où tu dois reprendre, regarde, le compteur il est ici, à 35 piles normalement tu reprends 35 morts. Des bisous, ouais, en tout cas ça fait extrêmement plaisir à lire, des bisous, merci beaucoup. Et c'était fait exprès, hein, c'était pour te faire un petit marque-page sur l'endroit où il fallait que tu reprennes. C'est évidemment calculé quand même. Attends mais c'est... C'est où qu'il faut aller, je comprends rien. C'est pas là, c'est là. Ah oui, la glissante. Oh, oh le génie. Oh, Jules, les virages c'est pas toi, hein. C'est pas... Quoi, il est mort? Mais au nom de qui? Mais non. Ah oui, j'ai menti. C'est à 36 qu'il faut que tu reprennes. Mais non, mais en fait, il a pris trop d'inertie, il s'est niqué sur un mur. Ça, c'est extrêmement pas vrai, 10-30. 1500 de dé... Alors, attends. Ah, mais d'accord, ok. En fait, je suis pas obligé de courir comme un connard. Je le fais quand même, parce que c'est le plaisir du stream. Ok, donc en fait, ok, le moindre glissement... Non. Stop! Arrête! Il va mourir! Je le déteste. Ok. Qu'est-ce que c'est au fond? C'est joli, mais c'est quoi? Du coton?
Mais j'y suis déjà allé là. Pourquoi je me suis pas téléporté, abruti? Ah, c'était un raccourci en fait. Pourquoi les Power Rangers? Parce que c'est les bisous de toutes les couleurs. Qu'est-ce que c'est? Ariassistan. C'est quel nom de pays le Ariassistan? C'est là qu'on doit aller? Parce qu'avec ton groupe vous arrivez de manière Tu sais qu'à chaque fois qu'on dit Power Ranger, j'ai une maladie qui fait que j'entends le générique, j'entends le riff de guitare de la saison 1 des Power Rangers. Mais Distance, est-ce que tu sais ce que c'est le générique? Allo Boulou, comment ça va? Bébou, tu nous avais manqué. Attends, le geyser, non. Pas le geyser. Ah, t'étais en répète. Ah mais oui, c'est si stylé qu'il a un groupe en plus. Allo Boulou. Oh, Distran, tu peux lui faire un petit SO pour Salo Blue qui fait du randomizer de Elden Ring. Quand on va lâcher Elden Ring, voilà, je serais pas vexé que vous alliez voir, parce que j'y vais moi. J'ai eu une pomme de feu, let's go, et vous? Petit, j'étais fan, mais Power Ranger, ouais. Moi j'étais fan des Power Rangers, mais globalement, tu vois, c'est le truc que tu regardes plus tard. Bon, tu vois que t'as grandi, quoi. La prune éther. La prune d'éther. Attends, mais genre j'en ai marre d'appuyer là. Encyclopédie. Est-ce que j'ai complété une ligne? Oui. Bravo. Tu as gagné la défense frisson. Tu fais du métal de Phtalo Blue d'ailleurs. Saviez-vous que Phtalo Blue est une couleur utilisée par Bob Ross, hein? Une couleur très très utilisée. Moi j'ai cette connaissance, mais est-ce que vous l'avez? Oui, j'ai cette connaissance depuis quelques heures, depuis hier. Mais ce qui compte, c'est pas... c'est pas le... Depuis quand on a cette connaissance, c'est depuis... c'est de l'étaler aux autres, quoi. Mais alors, le math rock... Alors, moi, je veux bien savoir ce que c'est le math rock et qu'est-ce que c'est la différence avec le rock. Est-ce que c'est un groupe de rock avec des additions? Parce que moi, c'est hors de question, quoi. Ou c'est un peu plus organique, peut-être, je sais pas, c'est un peu plus généré. Ah, est-ce qu'il faut aller là? Une épaisse couche de glace est formée en mon absence. Oh non! C'est un peu le rock avec des adis. Le math rock est un genre musical de rock expérimental et de rock indépendant caractérisé par une complexité rythmique et un enchaînement de riffs et de mélodies, souvent dissonants, ayant émergé à la fin des années 1980. L'influence par les groupes de rock progressifs comme King Crimson et de musique minimaliste comme Steve 3 petits points parce que j'ai plus Wikipédia d'ouvert à côté. Dans l'idée que je me fais de ça, ça me fait penser un petit peu à du jazz improvisé. Est-ce que c'est l'idée, c'est un petit peu des riffs de jazz, mais version rock? C'est-à-dire des impros et chacun construit un truc là-dessus. D'accord, ok, donc rien à voir. Je pensais que c'était un petit peu le petit buff. Le falcon atomizar. Eh bien ça alors. Attends, l'œil. Ah mais différencier les trucs aussi. Avec le rap français, j'arrive à différencier. Tu mets évidemment Ayam et je sais pas ce que fait Vald, je peux te dire ce qui est de la trappe, ce qui est pas de la trappe. Mais après d'autres genres musicaux, bon. Il y a le métal, le néo-métal, il y a Linkin Park. Linkin Park, c'était quoi? C'était du néo-métal?
Parce que bon, techniquement, le genre du métal, il va effectivement de System of a Down. Une connerie, ça... Oh, je suis désolé si vous êtes cringe par mes propos. Mais j'arrive pas à distinguer parce que j'ai l'impression qu'en fait, chacun veut pas être dans la catégorie des autres. Et du coup, tout le monde crée une catégorie de sa musique. Je suis désolé parce que c'est très approximatif, mais c'est l'impression que j'en ai en fait. La pomme de feu, let's go, le retour. Pas trop chaud à Nice au fait, Fatal Blue. Mais on va où là? Grotte de lave. Mais non. Alors je vois bien la grotte, mais je vois pas la lave. Actuellement, actuellement en larmes. Nu métal. Ok. Bonjour Adon, comment ça va? Tu douches avant de stream, ça va faire du bien. Ah, tu vas lancer un stream toi? Ah, let's go. J'ai pas de raid à rendre de gens qui sont en live. Avec grand plaisir, on ira voir. On ramènera les tétrilous à la maison. Comment il va le Adon? Adon, toi aussi t'as chaud, non? Oh là là, il fait Adon, toi aussi, non? Oh, chez nous il fait 24 degrés. Oh, demain il y a de l'orage. Demain il y a de l'orage, merde. Oh là là. Pff. Ouais, Adon, on est dans une chaleur caniculaire ici. Tu savais qu'il y avait... alors pas du côté de chez nous, mais il y a des risques de neige un petit peu plus loin au Canada. Ça va refroidir le pays, quoi. Oh, il y avait la clim au boulot. Heureusement. C'est intenable hein, pour nous, sinon. Au-dessus de 20 degrés, on sait plus. Écoute. Attends. Hop. C'est de la lave, mais bon, tranquille. Ça va, à toutes. Courage. Pour, non, normalement, la douche. Normalement, c'est tranquille. Bisous. Ouais, c'est pas cool, hein. À 23 degrés. En sueur quoi. Heureusement j'ai un glacier juste à côté de chez moi. Oh là là, j'ai un glacier. Alors on appelle pas ça un glacier. Ici ça s'appelle, attends, une crèmerie. Une crèmerie à côté de chez moi. Ils font des petits blizzards. C'est leur un McFlurry plus plus quoi. C'est un McFlurry mais c'est un repas. Sans vouloir je suis pas là pour me la péter hein, évidemment. Je comprends votre peine hein. Mais disons que petit McFlurry mixé Oreo avec de la crème de caramel, bon, c'est, ça aide quoi, ça dépanne bien. Les grosses chaleurs comme 22 degrés là, ça nous aide à les passer. On ne peut pas manger de lactose. Ah, alors si, d'un point de vue purement technique, Xan, tu peux. Je te connais. D'un point de vue purement social, tu peux pas. C'est ça non finalement? C'est ce qui te peut pas, c'est la bienséance quoi, ce qui te permet de pas en manger et d'en abuser. Par contre il va falloir mourir. Merde, bon. Il est cané? C'est bon, il est cané. Je peux pas. Attends, mon pote il va avec eux. On va se le faire lui. Projecteur de peinture, eh oui, c'est vrai, elle aime énormément faire des travaux, Xan, donc bon, dès qu'elle mange du laitage, hashtag DIY quoi. Let's go, ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Ah non, j'ai plus de 40, et je chope la... Mais non, ah mais ça Thierry, tu t'es mangé une clim chez un client, non? Courage.
Et j'avoue que, bon, en fait, c'est chiant la clim. La clim, faut vraiment pas en abuser, quoi. Attends, mais mon poteau, il va... Il va recrever. Non, c'est bon. Mais à partir de 30 degrés, moi, je pense que en fait, c'est pas légal, quoi. Non, attends. Attends. Oh. J'ai dit attends, mais ça... Concrètement, le jeu ne pouvait pas attendre. Je peux mettre pause ? Ah non, je peux même pas mettre pause en combat. Ok. Passe à Nebulos. On peut la déséquilibrer ? Non, pas du tout. Et là, oh, et là, le sang de la veine. L'été, c'est la pire saison, je suis tellement d'accord. Vive l'hiver, c'est tellement mieux. En fait, qu'est-ce qui vous empêche de dire que l'hiver, c'est pas la meilleure saison ? Tu peux manger des raclettes et personne te regarde chelou. Quand tu éprouves des difficultés avec une température, tu as juste à rajouter un vêtement. Alors qu'en été, ben, au bout d'un moment, tu peux plus en enlever. Parce qu'on dit, monsieur, vous êtes dans une école et tout le monde se plaint. Je suis désolé, mais c'est tellement mieux l'hiver. En plus, les meilleures places, c'est en hiver, quoi. En été, t'as rarement envie de manger des lasagnes, une poutine. Si par contre, il n'y a pas de temps pour la poutine, je suis désolé. Ah, merci. La team hiver. Si un jour on fait, comment ça s'appelle, les Pixel Wars, on sera tous la team hiver. Ah ben voilà, on en a des choses. Plein de trucs. Oh, un bon ramen. Oh, j'ai fait un ramen la semaine dernière et c'est à cause de ça que j'ai eu une crise d'allergie parce que j'étais pas adapté à sortir dehors. Oh, y'a un écureuil niveau 40. Alors ça, si on m'avait dit un jour... Canada juste pour l'hiver. Tu sais que j'ai des amis qui détestent le Canada parce qu'ils disent ouais l'hiver y a rien à faire machin. Mais c'est trop bien le Canada l'hiver. Justement, légalement t'as pas à sortir. C'est comme le Covid sauf qu'en plus t'as droit de manger des poutines. C'est comme alors le Canada à la période du Covid. Oh là là, c'est sûrement incroyable. Bon y a plein de commerces qui ont fermé. En vrai c'est triste quand même. Pas cool. Hein ? C'est-à-dire, monsieur ? Dites-moi en plus. Ah ! Bon, est-ce que je me le fais ou pas ? Il est niveau 45, il est un peu plus haut niveau que moi. Il fait mal. Oh, une AOE ! Let's go, j'adore les AOE. Non. J'ai menti. Il tape qui lui? Mais putain il tape le nuage de gaz, il tape le prout. Et au secours, mais faut taper le gros gars. C'est ce que j'aime pas dans les RPG, c'est quand certains RPG tu peux pas donner d'action à tes alliés. Et là je vais veiller creux. Bravo. Ah mais d'accord, on s'est fait agresser par un nuage de prout chacun. J'ai pas le choix en fait, faut que je me tape ces deux là avant. Des bisous Adam. Je faisais que passer mais c'est trop gentil, merci beaucoup. Adam le sang. Et en plus il y avait 10 en même temps. Adam et 10-30 dans le même chat. Il n'est pas chez 10-30, c'est la régalade. Bon bah je suis obligé de me faire lui d'abord. Oh non, charlatan. Ouais. Charla, est-ce que j'arrive à la soigner? Oh là là.
et en fait là. Ça serait trop bien qu'on puisse prendre des photos là comme ça. Bon, on va essayer ça. Renick, trop bien de te revoir. Écoute, actuellement on larme à cause de ces merdouilles là. De dégâts, c'est tout, mais tu as pris pour un clodo. Juste rien à voir, hein, je pense. Je pense qu'il joue pas avec Xenoblade. Ah, quoi, 400. Oh, j'avais pas vu. Attends, je vais la prévenir. Ah, mais non, mais j'ai pas besoin de la prévenir si elle est morte. Merde. Je me suis trompé. Putain, la healeuse est morte. C'était hier, je ne sais plus. Attends, il faut que j'arrête. Merci. Attends. Ah non, n'attendez pas, hein, faites votre vie. Je peux la raise. Non, 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 non. Okay. J'y crois pas, j'ai touché mon pote au lieu d'encourager la healeuse. Oh, si je survis ce combat, littéralement, je bois de l'eau après. J'espère que vous êtes contents. 10-30, il fait souvent ça, il boit de l'eau. C'est la récompense des 10-30-12. Ils aiment bien que 10-30 soit hydraté. Il m'a pris 2000 de dégâts, tu m'as pris pas. Pardon. Je vais pas. Non, elle est remorte, mais putain, c'est Kenny. Envie de pavé creux. Alors de l'eau, c'est sympa. Et il ref, t'as l'eau. Ok, ok. Tu restes ma pote. Je me prends la dose. Encouragé. Bravo, tout ce que tu entreprends dans ta vie est génial. Je vais le faire tomber là. Putain, pas du tout. Oh. Donc là, j'ai une jauge anti-crevaison. Elle est remorte, mais j'en ai marre, c'est Kenny. Et voilà, mon, et voilà, ce qui arrivait arriva. Donc, nous en sommes sur un jeu vraiment tranquille à 37 morts, hein, bravo. Ce qui est quand même moins que les 701 morts d'Elden Ring. On a fait 701 pour arrondir. Hein. Évidemment, moi ça m'intéresse pas sinon. Juste là pour arrondir. Œil de l'ombre. Faut augmenter ça hein, sinon. Peut-être pas. Les mangeurs de steak périmé. Les mangeurs de steak. Attends, j'ai dit un truc. Oh non. Donc, on se met des doigts entre amis. On se met des doigts dans la commu. Le classique des doigts. Le classique de la commu. Attends, si je mets le briseur à fond. Oh mais ça va lui mettre trop cher là. Les doigts, c'est toujours bien. Les doigts, ça fait toujours son petit effet, quoi. Attends, il y a la dose d'écurie, on va tous les niquer. Oh, joie de... Ah oui, doigts, mes trous. Essayez doigts. Pas de tête en vue. C'est vrai qu'on pourrait parler en Elden Ring. Hein. Récompense de points de chaîne, pendant 5 minutes je parle en Elden Ring.
Oh chat, pourquoi? Mais pourquoi? Pas de chat en vue. Essayez sub. Sub droit devant. Le concept est marrant en vrai. Oh Phtalo Blue, c'est cadeau, c'est pour toi. Pendant 5 minutes je parle à Elden Ring. C'est toi le spécialiste Elden Ring hein, ici. Concept trop dur. J'ai échoué concept. Pour concept, hurrah! Ça y est, j'ai le diplôme. Ah, bah complètement. Bah, plus que nous en tout cas. Bibou 10-30, c'est pas contre toi, hein, mais je pense que t'es d'accord avec moi. Oh, nice. Applaudis votre copain. Mais en vrai, ça serait trop drôle. Ça serait super en vrai. Un petit timer. Oh, je sais déjà comment faire. Des menottes, on a eu. Je vais les poser. Attends, les légumes. Le chou iceberg. Les menottes. La pierre lapin. Lui il va m'entendre. Bon allez, on s'en fout. Allez. On a le temps de niaiser. Les menottes. T'as une saucisse de ponce toi maintenant. Je l'avais jamais vue celle-là. 10-30, tu nous mets la saucisse comme ça toi. En plus 10-30, putain il y a hors contexte qui te concerne. Il y a hors contexte sur Discord qui te concerne légèrement. Je suis désolé. J'en suis... Je dirais pas que j'en suis fier. Mais enfin, il est bien bien hors contexte hein, effectivement à mettre, il sera disponible bientôt. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Bébou? Attends. Ça? Quel plaisir. Ah oui, c'est bon. Et bisous, Nick. Oh, Nick, il a fait sa propre commande bisous. Isis légal? Bisous Nick. Let's go, il a ses bisous de son propre fait. Lui mettre une grosse sauce là comme ça. Oh non putain mais j'en ai marre, Michel elle est morte encore là. Putain. Apprends à vivre un peu. C'est pas ta gamine. J'ai agressé l'autre nuage de pluie. Il y en a trois. Mais non. Bon bah plus que deux. Ah putain il est toujours le vieux gars là. Et après il y a l'autre au fond, mais l'autre au fond je peux le gérer seul plus, ça va. Le problème c'est avec tous les mobs autour. Je vais mettre un bouclier à tout le monde. Je sais pas si ça marche. Hein. Je sais pas si ça sera intéressant. Je vais faire de l'agression, il va se retourner. Nice. Et là, pour le huc. Je peux pas le cibler. Oui, il y a un cible là. Ah putain, je dois cibler que lui. J'ai une altération d'état qui faisait. Oh non! Je
Frona, tu l'as entendu? Eh oui. Oh non, putain. Encore morte, c'est Kenny. Et poussez-vous! Bravo, encouragez. Ranimez Kenny. Terrible. C'est dans le Channel hors contexte ou... Non, c'est dans le Channel hors contexte, je crois. Il y en a même deux. Enfin, ils ont été faits par Angel et Pell. Bon bah là, le seul truc que je peux faire, c'est... Auto, elle me soigne, quoi. Attends, je peux tenter ça? Ok. Oh là 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 là. Il a deux nerfs. Il faut me soigner, madame. Attends, je vais tenter ça pour qu'elle soigne tout le monde. C'est peut-être pas worth it, mais tant pis. Hop, déséquilibre, chute, Inpu. Alors attends, avec un peu de chance. J'ai pas la combo du truc, mais tant pis. C'est pas grave. J'arrive à en battre un deuxième là. Et après c'est bon normalement. Si ça fait pas de bêtises, he's ok. Et après on peut enchaîner le vieux gars au fond là, Quaskai. Déviator de Wish. Et après on s'arrête là. Ça vous va? Et quelle heure? Ah bah oui, bah ça va être l'heure en plus. Ah! Et voilà, il a trouvé. Je le bourre comme si demain n'existait pas. Oh non, ma pote est morte. Je déséquilibre pas du tout en faisant ça. Tapez là. C'est important d'appuyer sur B au bon moment parce que ça remplit la jauge de coopération. Et la jauge de coopération est très très importante pour faire des attaques combinées. Et bah potentiellement... Voilà. Voilà, voilà. Ok, donc ça c'est important. Bon, je suis content parce que j'ai réussi à déblayer la zone des trash mobs à côté. Et maintenant il reste plus que... Il y en a un autre à côté. Je me soigne. Je mets pas mal de dégâts. Attends, je mets pas mal de dégâts ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais va pas là-bas! Ah, ça m'arrange pas. Déjà, il y a une prédiction pour ça. Si je recule. Mais pourquoi tu restes dans la lave? Peut-être l'auto-soin. Mais pourquoi elle va dans la lave? Mais excuse-moi, mais... J'en ai marre, putain, j'ai l'équipe B, j'ai la guide 2. On peut pas reculer pour avoir le mob là? Venez, est-ce que je peux leur dire de venir?
Ah merci. Et là, tranquille. Même pas en fait hein. Putain j'en ai marre, elle est morte. Je vais m'éloigner, on va le refaire. On va la retenter. Voilà. Là ma pote elle va raise. C'est loin là. Putain, attention, un écureuil. Donc là on attend que tout le monde se régène. De toute façon les mobs ils respawnent pas dans le jeu. On peut le cibler ou un jour ? On recule. Ah non, tu ris pas les blagues sexistes, non, pitié. Tu ris pas comme ça. C'est pas le goût de la famille ici. Ouh là là, oh, je me suis pris une saucée. Une saucée dorée. Putain, au secours. Ah des bisous 10. Mais oui, plein de bisous. Courage pour les révisions, tiens-nous au courant hein. Et puis courage pour la chaleur aussi. Parce que la chaleur c'est moins garanti que les révisions. Parce que les révisions c'est garanti que ça va bien se passer quoi. Les bourrax. Je peux pas le faire chuter par contre, ça m'emmerde. Oh le petit riff de guitare, vous l'entendez là? Des bisous Fatal Blue. Toi je pense on stream. On arrive. Sauf si je te dis, dans tous les cas je viendrai en lurk mais si on trade. Enfin au mieux on trade. J'espère que ça fera du Elden Ring. Bon ça se fait là ou pas? Midlife ça passe. À la Dixit en étant à moitié crevé. Je peux lui mettre ça à elle. Oh il a une tête de gros lézard hein, c'est sûr ouais. Comme beaucoup de mobs dans Elden Ring, ils ont tous des têtes de gros lézouilles. Mais, putain mais où tu vas? C'est quoi le projet? Et ça marche pas, on est d'accord. Je peux pas le faire chuter comme ça. Donc je vais le bourrer. Okay. 6000 de dégâts, bravo. Je m'expose à une mort certaine en faisant ça. Mais comme quoi. Je vais mettre un bouclier à tout le monde, au cas où. Je sais même pas pourquoi c'est marqué il est immunisé, je sais pas à quoi il est immunisé. Ah il est minuit. Bonne année. Bonne année. Mais en fait c'est pas même... prévenir quoi? Tourbillon, c'est sur qui? Merde, bah je l'ai fait trop tard. En fait c'est juste qu'il est devant la cascade où je dois aller. Là, ici. Je dois aller là et il est devant. Il est même pas dans, enfin, il est pas dans la, dans l'histoire, mais il est juste devant plus plus, on va dire quoi. C'est vivement, enfin, il est pas placé là par hasard quoi. Bon, bah, on va tenter comme ça. Je vais le bourrer à fond. Hein. Je vais mettre les meilleures attaques que j'ai. Oh, juste avec ça, ça passe pas. Ça, ça passe. Oh oui, la deuxième. Exactement, c'est juste là pour emmerder. Ah non, j'avais besoin de la roche magmatique. Ah bon, j'avais besoin de ça, moi. J'ai tout lu.
Bon ben voilà, on va pouvoir... voilà, la roche magmatique, ici. Écoutez, comme ça, la semaine prochaine, on la pose. Menu système. Sauvegarder. Normalement, j'aurais fait une petite séance d'XP avant. 29 heures de jeu, on a quand même avancé, on est... deuxième tiers troisième tiers, peut-être même du jeu. Donc ça fait plutôt plaisir. Déjà, on est arrivé dans les grosses révélations de Xenoblade. C'est très très cool. On a fait, pour moi, une des cinématiques les plus importantes. Donc, très très cool. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, Pierre, il y a les VOD. Et d'ailleurs, en parlant des VOD, celle-ci s'arrête dans 3, 2, 1. Bonne année. Bye bye YouTube.